Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et OMG, ça fait si longtemps qu'on s'est pas vu. Oh, mais ça va vous ou pas? Vous avez passé de bonnes fêtes? Joyeux Noël tout le monde d'ailleurs! Je sais, ça fait quoi, 2 semaines que j'ai pas posté, c'est parce que j'avais un examen que j'ai réussi d'ailleurs. Mais bon, je me suis dit, pour passer ça, faut pas que je fasse de vidéos, que je monte des vidéos, etc. Parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, ça prend énormément de temps. Donc voilà, j'ai eu mon examen, donc je suis de retour sur YouTube avec une ou deux vidéos par semaine. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pas du tout originale, mais que j'avais jamais faite sur ma chaîne. C'est une vidéo où je vais vous montrer les cadeaux de Noël que j'ai reçus. D'ailleurs, j'espère que vous allez bien et tout. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu en fait. Ça doit vous faire bizarre de voir ma touffe un peu. Si ça se trouve, vous aviez même pas remarqué, et tant mieux, comme ça vous êtes pas ennuyé sans moi. Une de mes résolutions de 2019, c'est genre garder ma tête droite comme ça, parce que je suis agent gaz comme ça dans les vidéos, ça me saoule. Donc voilà, j'essaie de garder ma tête droite. Donc si vous me trouvez bizarre dans les vidéos qui suivent, c'est parce que je suis en train d'essayer de prendre sur moi pour avoir un angle de tête normal. Du coup, si vous avez envie, avant de regarder cette vidéo, je vous invite à regarder ma wishlist de Noël. Parce que si vous avez regardé ma wishlist de Noël, vous allez reconnaître 2-3 trucs, je suis trop contente. Et je m'attendais pas du tout à ça, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder ma wishlist de Noël en cliquant sur le petit i juste ici. Donc voilà, et c'est parti avec la vidéo. Je suis tellement contente de faire cette vidéo, ça fait trop bizarre, genre j'ai l'impression que vous êtes tous là, là. En fait c'est juste ma caméra, mais j'ai l'impression qu'il y a genre 40 000 têtes, vous voyez. On va commencer direct, hein. Premier cadeau de Noël que j'ai reçu, c'est l'iPhone XR Max. Je suis trop contente en fait, ça faisait trop longtemps que je le voulais et tout, mais bon il était super cher etc. Et du coup je suis contente parce qu'on me l'a offert pour Noël, il est trop trop beau. Donc il est ici, je l'ai pris couleur or. Franchement il est bien, après comme je l'ai eu aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de trop tester etc. Après ma chaîne c'est pas une chaîne tech hein, donc je pourrais pas vous faire des comparaisons etc etc. Mais il a l'air assez bien. Si vous avez eu l'iPhone X c'est un peu pareil. Le seul truc qui me frustrait c'est que j'ai toujours voulu un grand iPhone parce que j'ai des super longs doigts. Je pense que vous l'avez tous remarqué parce que je reçois tout le temps des commentaires sur mes doigts. Donc oui j'ai des doigts très longs. Et bah du coup l'iPhone X mes mains la valaient et là je suis très contente. Il est bien grand donc je suis tranquille, j'ai pas du tout le problème. J'ai vu qu'il y a plein de gens qui disaient que ouais c'était chiant parce que nanana. Moi mes mains sont adaptées à ce téléphone donc je trouve ça parfait. Donc voilà, premier cadeau c'est l'iPhone XR Max. Mon deuxième cadeau de Noël, je suis trop contente parce que c'est un cadeau de moi à moi et ça faisait super longtemps que j'économisais pour me payer ce sac. C'est le sac Kate de Yves Saint Laurent. Alors je sais déjà quel type de commentaires je vais recevoir etc etc. Je suis pas une fille à papa, c'est pas mes parents qui paient mes sacs etc. J'utilise pas l'argent de mes parents, je suis pas une privilégiée ni quoi que ce soit, c'est mon argent. J'ai économisé pour me l'acheter et je suis hyper contente de m'acheter ce sac. Certains préfèrent économiser pour d'autres trucs. Moi j'ai voulu acheter mon petit sac et ça me fait trop plaisir. Donc s'il vous plaît soyez cool dans les commentaires, gâchez pas mon plaisir, ok? Je tenais vraiment à ce que ce soit clair parce que je suis trop contente d'avoir acheté mon sac, ça faisait trop longtemps que je voulais. Alors venez pas hein, pourrir mon groove. Tu m'as pourri mon groove. Si vous avez la référence de ça vous êtes juste trop. J'ai reçu aussi de la part de ma petite sœur des soins organiques et bio. Donc c'est de la marque Skin Tonic London. Déjà regardez comment c'est présenté, c'est trop mignon. C'était dans une boîte noire à la base, je vous ferai des close-up. On a brume à la rose, tout type de peau, qui sent juste trop trop bon, ça sent bon la rose en fait. Ça sent trop bon, c'est une brume pour le visage avec que des super bons ingrédients. Ma soeur elle est vraiment branchée naturelle etc, elle est végétarienne en plus, donc elle a vraiment les super marques de produits. On a aussi dedans un baume pour les lèvres goût à croquer, donc ça j'ai pas encore testé, je sais pas du tout quel goût il a, mais en tout cas c'est écrit que c'est un baume naturel pour les lèvres. Il y avait aussi huile de beauté British, tout type de peau, donc ça doit être une marque, ah si c'est une marque anglaise, British, bio et responsable. Donc ça c'est une huile de beauté, donc ça je pense que voilà, c'est une huile pour le visage, pour rendre la peau un peu plus belle etc. Je connais pas trop les propriétés, qu'est-ce qui est écrit. Avec quelques gouttes, masser le visage avec le bout des doigts, donc ouais c'est une petite huile pour stimuler la peau. Dedans, je suis trop contente de ce cadeau parce que en plus ça sent bon les huiles essentielles, les petits trucs bien naturels, j'adore les produits qui sont comme ça. D'ailleurs j'ai un diffuseur d'huile essentielle, enfin c'est juste ma vie le diffuseur. Donc voilà, j'ai eu aussi dedans, donc tout ça, hein, ça c'est le cadeau de ma soeur. Dedans il y avait aussi un nettoyant purifiant peau normale à graisse. Donc c'est marrant quand même, c'est un nettoyant solide en fait. Je découvre en même temps de vous parce que j'ai pas encore testé ces produits puisque forcément c'est Noël, j'ai reçu tous ces produits hier. Ça sent un peu la menthe, ça sent un peu les plantes, donc voilà. Il y avait aussi un gommage tout type de peau. Oh, oh c'est de la poudre. Oh je l'avais pas encore ouvert, c'est de la poudre. Un gommage en poudre. Putain j'en ai mis partout. Ah on dirait du talc. Ok donc faudra que je demande à ma soeur comment on utilise ça, j'en ai mis partout.
Avec quelques gouttes d'eau tiède, formez une pâte, massez délicatement sur visage humidifié, rincez à l'eau tiède. Ah, mais c'est marrant, c'est trop ludique. Trop hâte de tester ces produits. Clairement, avec tout ce que ma soeur achète et tout ce qu'elle me dit, je me dis, tout ce qu'on achète, c'est un petit peu de la merde. Donc, je me dis tant qu'à faire, c'est trop bien. Comme ça, j'ai une petite routine soins bio et naturel. Pour rester dans le naturel et dans le bio, j'ai reçu de la part de ma mère d'autres produits naturels. Donc ça, c'est la marque Just What You Need. C'est dans une pochette. C'est dans une pochette comme ça. C'est super mignon. Même la pochette, elle est toute douce, toute bien et tout. Et c'est une pochette après qu'on peut utiliser en tant que pochette de maquillage. Je trouve pendant l'été, c'est plutôt pas mal. Dans cette pochette, on a un produit qui s'appelle le... On a deux produits, on a le gel d'or noir et on a l'eau caribéenne. Et en fait c'est trop bien parce que ce sont deux produits bien distincts. Et avec ces deux produits on peut faire un troisième produit. En gros ça c'est une espèce de gel qu'on va mettre sur la peau. C'est un gel qui va hydrater et qui est un peu gras. Mais en fait du coup ça fait un peu une texture beurre quand on le met sur la main. Et ensuite quand on rajoute cette eau, ça va du coup créer une crème hydratante. Sorte d'une espèce de gelée pour main associée à la brume, ça fait une crème hydratante. Donc ça fait la texture d'une crème hydratante. Donc ça c'est une gelée, mais je trouve que quand on met sur la main, ça a une texture beurre, donc c'est un peu gras. Et ça peut être appliqué donc sur le visage, c'est une espèce de brume rafraîchissante. Mais grâce aux ingrédients qu'il y a à l'intérieur et aux propriétés, les deux associés, ça fait une crème hydratante. Et c'est tout doux, ça a pas énormément d'odeur. Je vais pas vous mentir, mais généralement les produits naturels et bio, ça a pas trop d'odeur et je trouve que ça rend les mains toutes douces. C'est hyper agréable. Je crois même que ces produits peuvent être utilisés dans les cheveux. Quand ce sont des produits naturels comme ça, vous pouvez les utiliser sur la peau, sur le corps, sur les cheveux. Ah oui, et dans la pochette j'avais aussi un savon. Mais en fait ce savon c'est une espèce de beurre. Dedans il n'y a pas les ingrédients qui font le savon, donc du coup c'est naturel. Franchement je suis désolée, je saurais pas vous expliquer. C'est un shampoing après shampoing, soin corporel, soin exfoliant, soin rasage. Ne pas frotter le galet directement sur la peau et les cheveux. Sortir le galet de son étui. Mouiller et frotter le galet dans le creux des mains. Il délivrera une crème à la mousse ultra fine et en quantité suffisante. Il n'y a pas de suremballage. C'est du tissu. Moi, franchement, je trouve que ça a l'air vraiment pas mal. On va passer à des produits qui sont dans ma wishlist de Noël. Je suis trop contente parce que pour Noël, mon copain m'a offert deux trucs de ma wishlist. Comme quoi, les garçons, franchement, ça leur simplifie la tâche hein, quand on fait des wishlists. Je pensais pas. Il m'a offert le bracelet Daniel Wellington que je voulais. Exactement celui que je voulais. C'était emballé dans une belle boîte comme ça. Et ce qui est trop bien, c'est que la boîte, elle est réutilisable parce que ben, ça s'ouvre comme ça. Il n'y a pas à tirer les fils, les emballer et tout. Donc, trop bien. Si vous avez vu ma vidéo, ben, vous avez vu c'est quel bracelet et je suis juste trop contente parce que je trouve ce bracelet juste trop beau. Moi en plus qu'il y a des petits poignets, il est ajustable, donc c'est trop bien. Voilà, je suis trop contente. Ah oui, et j'ai pas le jeu en dur, mais si vous avez regardé ma wishlist de Noël, sachez que j'ai pas pris les Sims au travail, j'ai pas pris les Sims 4 au travail, j'ai pris les Sims 4 au restaurant. Si vous n'avez pas suivi l'histoire, n'hésitez pas à aller regarder ma wishlist de Noël. J'ai aussi eu des petites chaussettes, toutes confortables, toutes douces et tout. Donc ça aussi, c'est une bonne idée de cadeau de Noël. Si vous aimez les moments cocooning, tout ça, je sais que c'est pas tout le monde qui aime les grosses chaussettes comme ça. Mais bon, c'est toujours une bonne idée de cadeau. Donc voilà, c'est trop mignon, je les ai pas encore ouvertes. Parce que chez moi, il fait quand même assez chaud. Mais je trouve que c'est plutôt cool pour les moments où il fait froid. Donc voilà, des jolies petites chaussettes toutes douces. Par contre, je sais pas du tout où il les a achetées. C'est un cadeau de mon cousin. C'est ce que j'ai reçu pour Noël de la part de mon cousin. Pour Noël, j'ai ouvert le rouge à lèvres Louboutin. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo en collaboration avec Louboutin. Je vous la mets dans le petit i ici. Mais du coup, je suis trop contente parce que je me suis offerte le rouge à lèvres et j'ai donné à ma maman les autres produits puisqu'elle adore. Donc je vais offrir ces produits. J'ai pas offert que ça à ma maman. Hein, je vous vois venir. Je vais offrir ces cadeaux de Noël. En plus, je vais donner les produits Louboutin. C'est un tendre voile, donc c'est un rouge à lèvres vraiment pas très pigmenté. C'est vraiment comme un baume à lèvres un petit peu coloré. Mais si vous voulez vraiment un rouge à lèvres très pigmenté, faut que vous preniez les rouges à lèvres, pas les tendres voiles. Et ça, j'aime trop ce cadeau, je suis trop contente, c'est un trop beau cadeau. Pour Noël, mon copain il m'a offert l'écharpe Gucci que j'ai mentionné dans ma vidéo wishlist de Noël, donc je suis trop contente. Surtout que bon, c'est un cadeau qui est un peu cher, mais bon, je suis super contente. Il m'a pris l'écharpe Gucci, je vais pas la déballer, mais voilà, c'est une écharpe. Je pense que voilà, vous connaissez. En fait, je trouve que c'est trop bien présenté, donc j'ai pas envie de, j'ai pas envie de la porter maintenant. Mais c'est une écharpe qui est grise avec les GG comme ça, donc elle est trop belle. Je suis trop contente. J'étais trop contente qu'il m'offre ça.
Et enfin, dernière chose que j'ai reçue pour Noël, ça, j'ai reçu ça de la marque Glow Up. La marque Glow Up, c'est la marque avec laquelle j'ai fait le partenariat pour les bougies, avec à l'intérieur une carte cadeau. Et la carte cadeau que j'avais reçue de la marque Glow Up, c'était une carte cadeau Sephora. Et du coup, j'ai reçu cette jolie boîte de masques, plein de masques en fait. J'ai pris ça et il y avait d'autres masques, mais du coup, je les ai mis à l'intérieur. Franchement, c'est un beau cadeau de Noël. C'est une espèce de petite maison avec plein de masques. Vous voyez, enfin, il y en a plein. J'ai même pas... Là, il y en a plein. J'ai même pas tout sorti, mais il y a tout. Hein. Il y a des masques pour les yeux, pour les mains et tout. C'est pour ça que je trouve vraiment Glow Up, c'est une idée cool de cadeau. Si vous savez pas de quoi je parle, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo wishlist de Noël. Je parle d'une marque qui s'appelle Glow Up, c'est une marque de bougies. Et à l'intérieur, vous avez une carte cadeau. Vous voyez, vous connaissez les Jewel Candles, My Jewel Candles, etc. C'est que des bijoux. Bah, eux, c'est des cartes cadeaux. Et du coup, bah, moi, j'ai pu prendre une carte cadeau chez Sephora. Et du coup, j'ai ma bougie, qui est, je sais plus, je crois qu'elle est là-bas. Enfin, je vais pas aller la chercher, mais j'ai ma bougie. Et j'ai mon deuxième cadeau que j'ai reçu. Donc, trop bien. Donc voilà, c'est tout pour mes cadeaux de Noël. J'ai été super gâtée, je sais. Je suis trop contente. Pour passer un bon Noël, on n'a pas forcément besoin d'acheter des articles plus ou moins chers. Moi, j'ai fait un mélange des deux. Noël, c'est surtout l'esprit de partage. On est super content d'avoir des cadeaux, mais l'essentiel, c'est de le passer avec sa famille, avec les personnes qu'on aime, etc. Les cadeaux, c'est vraiment accessoire. Et voilà, j'espère vraiment que ma vidéo vous aura fait passer un bon moment. Je vous souhaite encore un joyeux Noël. J'espère que vous avez vraiment pu bien fêter avec vos amis, votre famille, votre amoureux, etc. Peu importe avec qui vous fêtez Noël, du moment que vous avez passé un bon Noël. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le cadeau de Noël que vous avez préféré ce Noël-ci, ou les cadeaux si vous voulez froisser personne. Quels sont les cadeaux de Noël que vous avez préférés? Pas genre dans mes cadeaux de Noël, hein, mais dites-moi vous quel cadeau de Noël vous avez eu et quels étaient vos cadeaux de Noël préférés de cette année. On pourra échanger, discuter et tout. Noël, c'est une de mes fêtes préférées. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah oui, et on est bientôt 50 000 sur la chaîne, je suis trop contente. Merci beaucoup pour le soutien et tout et tout et tout, je suis trop contente. La chaîne, elle monte vraiment vite et merci pour ça. Vraiment merci pour ça. Bon allez, je vous fais plein de gros bisous, joyeux Noël. Bye.